est-ce que ça vous dirait d'avoir plus de clients, plus de chiffres d'affaires et plus de clients qui parlent en bien de vous et vous recommandent un petit peu partout autour d'eux? Eh bien, c'est possible et je vous explique comment dans quelques instants. Je suis Sonia Chenevier, je suis coach d'affaires, consultante, conférencière et aussi intervieweuse de personnes de talent. Alors, je suis passionnée par l'état d'esprit et les stratégies de la réussite, experte en enthousiasme et persévérance et inspiratrice d'opportunités. Alors, ma mission, elle est simple, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les personnes désireuses de réussir leur carrière professionnelle ou leur business, eh bien, comme vous, à libérer leur talent, réveiller leur potentiel pour le transformer, eh bien, en compétences et en performances exceptionnelles, pour obtenir plus de résultats, plus de succès, plus d'opportunités et de liberté dans leurs activités. Si vous voulez faire plus de ventes et booster votre chiffre d'affaires, eh bien, vous devez connaître les deux seules et uniques raisons, eh bien, qui poussent un client à acheter ce que vous avez à lui vendre. Ce que je vais vous dire ne devrait pas être trop dur à retenir, puisqu'il n'y a en fait que deux raisons puissantes et fondamentales qui déclenchent l'envie d'acheter dans la tête de votre client. Alors, vous les connaissez sûrement, puisque vous achetez vous aussi également en fonction de ces deux raisons. Et nous achetons d'ailleurs tous pour ces deux mêmes raisons. Alors, la première raison, eh bien, c'est qu'on veut moins de douleur. Et la deuxième, on veut plus de plaisir. C'est ultra simple, non? Et pourtant, eh bien, à chaque fois que nous sortons notre carte bancaire ou notre chéquier, eh bien, c'est pour une de ces deux raisons. Nous cherchons systématiquement le gain que le produit ou le service que nous apprêtons à acheter, eh bien, va nous apporter. Par exemple, le dernier achat que j'ai fait, eh bien, c'est d'acheter auprès de mon informaticien préféré, un petit coucou à Michael au passage, un service d'assistance en ligne qui m'assure d'être dépanné et aidé directement chez moi, quoi qu'il arrive sur mon ordinateur. Et bien sûr, sur tous les périphériques qui peuvent y être associés, comme imprimantes, scanners, etc. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais un ordi qui plante, un virus, le nettoyage du disque, enfin tous les imprévus, eh bien, sont une véritable source de stress pour moi. En prenant cette assistance, eh bien, je me débarrasse d'une douleur et en plus, eh bien, je le fais de chez moi, donc plus besoin d'emmener mon ordinateur à la boutique. Je gagne du temps, donc du plaisir. Bref, pour ce cas-là, eh bien, j'ai deux raisons d'acheter ce produit. Évidemment, c'est ce que j'ai fait. Dans votre activité, eh bien, je vous encourage vivement de vous concentrer sur comment mettre en avant les bénéfices que mon produit ou mon service vont apporter à ma clientèle. Comment y parvenir? Eh bien, vous devez connaître parfaitement les enjeux, les défis, les problématiques, les difficultés, les préoccupations, voire même les frustrations de vos clients. Alors, je vous invite tout d'abord à faire la première chose qui soit, c'est de les écouter. Posez à vos clients des questions. Pourquoi ne pas faire d'ailleurs un petit sondage moyennant un cadeau pour les inciter à y répondre? Si vous ne le faites pas, eh bien, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. C'est que 1, eh bien, vos concurrents vont le faire à votre place. Et 2, eh bien, vous ne pourrez pas proposer une solution à vos clients si vous ne connaissez pas leurs problématiques. Lorsque j'étais directrice commerciale, eh bien, je proposais à mes clients de faire à leur place non pas un, mais trois projets uniques, personnalisés et modernes. Et cela de A à Z. Alors, tout en respectant évidemment leur cahier des charges, leur budget et tous les autres critères qui pouvaient être définis au départ. Mais en grande majorité du temps, eh bien, en fait, ils me laissaient complètement libre et me faisaient entièrement confiance. Je leur épargnais beaucoup de temps et il ne leur restait plus qu'à choisir, eh bien, le projet qui leur plaisait le plus. Mais ce n'est pas tout. Je me suis toujours rendue hyper disponible. Ils pouvaient me contacter pour quoi que ce soit, pratiquement 7 jours sur 7. Je répondais toute la semaine, le week-end et même tard le soir. Je leur évitais ainsi la douleur d'avoir à attendre une réponse. Dans un monde
je dirais, où tout va vraiment de plus en plus vite, eh bien, l'attente, l'impatience est vraiment devenue quelque chose de primordial. C'est presque, l'attente est devenue presque une douleur aiguë chez nos clients. Alors, nos clients veulent tout et tout de suite. Eh bien, une solution, ça pourrait être de leur donner tout et tout de suite, ou presque. Enfin, là où je veux en venir, c'est plutôt qu'il faut savoir devenir une solution. C'est vraiment important, voire capital, car une solution, eh bien, elle n'a pas besoin d'être vendue. Ce sont les clients, ce sont vos clients qui vont l'acheter. Si vous apportez une solution ou même plusieurs à vos clients, eh bien, vous leur démontrez automatiquement eh bien, les bénéfices de vos produits ou de vos services. Et vous déclenchez eh bien, chez votre clientèle la notion du plaisir ou la notion de moins de douleur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Recherchez les bénéfices que vous pouvez proposer à vos clients. Alors, je vous invite à noter, à vous poser calmement pour répondre à ces deux questions. Est-ce que mes services et mes produits répondent bien à toutes les problématiques de mes clients? Et quels sont les bénéfices de mes produits pour mes clients? Alors, je suis certaine que vous percevez que c'est bien plus fun et bien plus simple de se faire acheter plutôt que de se vendre. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, cherchez vraiment, véritablement les moyens de devenir la solution incontournable pour vos clients. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire. Et bien sûr, pourquoi pas me donner un petit like. Mais ce n'est pas tout. Moi, je vous invite aussi à donner à votre tour. Car donner, vous le savez, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace eh bien, de recevoir en retour. Alors, rejoignez eh bien, la communauté des gens généreux qui partagent leur savoir autour d'eux. Et partagez ce lien aux gens que vous aimez. Si vous voulez recevoir davantage de stratégies, plus de motivation, plus d'outils pour booster votre vie, votre carrière, votre business, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis venez également me retrouver sur mon site www.soniachenevier.com. Et en attendant de se retrouver tout bientôt, restez ouverts aux opportunités. Utilisez les stratégies d'aujourd'hui pour augmenter vos ventes. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous et vivez passionnément.